Salut à tous, une vidéo où j'ai envie de vous parler de ce que je considère être, du point de vue de l'utilisateur final et un peu branché technique, mais non pas, qui n'a pas de formation académique en informatique, ce qui est pour moi, ce qui constitue pour moi, pardon, la liste des péchés capitaux des distributions du monde de GNU Linux. Les principaux péchés capitaux, bon, bien sûr, ceux qui sortent le plus souvent aux yeux, ce sont les traductions incomplètes. Ça, c'est ennuyeux. Autant une personne qui s'y connaît un peu en anglais, ça ne dérangera pas d'avoir un petit peu d'anglais. Mais si on se retrouve avec du franglais la moitié du temps, ça peut faire mal. C'est quand même bête, parce que quand on voit des distributions qui disent, on propose par exemple les versions en anglais, allemand, italien, espagnol, turc, russe, ou peu importe, bref, qui proposent une liste de langues disponibles, et on se retrouve au final, quand on lance l'exportateur de fichiers avec les noms de répertoire en anglais, c'est dommage quoi. Aussi, quand on a des distributions qui se disent complètes, comme un sabayon, qui malheureusement sont partiellement traduites en français, mais aussi partiellement encore en anglais. Comme j'avais critiqué la sabayon dans ma série DGLFI, dont vous trouverez les liens dans le descriptif, comme tous les liens, le problème c'est qu'on démarrait, le système était à la moitié en français, la moitié en anglais. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'avaient peut-être pas intégré dans le script d'installation de récupérer les paquets traduits. C'est dommage. Et combien de fois dans les vidéos où j'ai pu parfois un peu plus ou moins m'emporter, maintenant ça n'arrivera plus, mais combien de fois j'ai critiqué le problème, de dire merde, il n'y a pas de traduction. C'est pas agréable pour l'utilisateur. C'est des petits détails qui disent à l'utilisateur, bon, ben c'est pas la peine, si je dois me taper 15 lignes de commande pour installer les traductions, ben, je retourne sous Windows et j'en parle plus. C'est ça le problème. C'est que le nombre de distributions ont oublié que c'est multilingue. Le monde n'est pas uniquement en anglais. C'est ça le problème. Et que si on propose une distribution mondiale, on propose au minimum les principales langues, l'anglais, le français, l'espagnol. Parce qu'il ne faut pas oublier que, mis à part le chinois mandarin, la deuxième langue la plus parlée au monde, ça doit être l'espagnol, et non pas l'anglais. L'anglais doit arriver à la troisième position des langues parlées dans le monde. Bref. Donc c'est le point le plus visible, c'est ça. C'est des traductions qui sont incomplètes et qui offrent de l'inconfort aux utilisateurs et utilisatrices. Ne soyons pas sexistes. Le deuxième point, c'est les distributions qui multiplient à l'envi les dépôts tiers. Pour moi, c'est vraiment dangereux. Parce que si on rajoute trop de dépôts tiers par rapport aux dépôts officiels de distribution, on risque à terme de se retrouver avec des conflits de fichiers. Et là, je ne parlais pas d'une des distributions dont j'ai parlé, parce que. Mais je vais utiliser l'article d'Olivier qui nous parle d'une distribution qui s'appelle la AV Linux. Et je vous conseille de mettre en pause la vidéo au moment où je vais vous montrer la liste des PPA. Parce qu'il fallait des dépôts rajoutés. Si je ne me suis pas trompé, avant de faire la vidéo, j'ai compté qu'il y en avait une vingtaine. La preuve en action. Donc, je vous mettrai le lien. Je vais un peu agrandir. Voilà. Déjà, avec le titre, c'est assez intéressant. Donc, c'est une distribution axée musique assistée par ordinateur. Voilà. Voilà. Et regardez la capture d'écran des dépôts complémentaires. Vous avez vu cette liste? Chaque coche, chaque point bleu, c'est un nouveau dépôt. Donc là, ce que vous pouvez faire, je vais cliquer sur l'image, la mettre en plein écran. Vous faites une pause et vous comptez. J'ai dû compter facilement une vingtaine de dépôts tiers. Je me suis peut-être trompé dans mon dénombrement, mais je vais vous montrer la capture d'écran. C'est effrayant. Donc là, je passe en plein écran et je vais faire un plus. Je vais mettre un zoom, pardon. Voilà, donc voilà, vous avez l'ensemble. Faites une pause sur la vidéo, comptez. C'est bon, vous avez fait votre pause? Je ferme ça. Je repasse en plein écran. Voilà, donc on passe à zéro. Statistiquement, quelles sont les chances que un ou plusieurs dépôts de la liste disent à un moment ne fassent disent à la distribution, désolé, je suis en panne, et que ça bloque les mises à jour. Là, les chances sont plus importantes. Plus on augmente le nombre de dépôts tiers, plus ça va être explosif. Et ça, c'est dangereux. Donc, le troisième point, ça, je vais me faire se taper sur les doigts, mais j'en ai rien à faire. Personne ne va me dire, ouais, faire prendre des conneries. C'est le problème des distributions redondantes. Bien sûr, je ne vais pas parler, je peux évoquer les deux sœurs ennemies descendantes de la lointaine distribution basée sur Red Hat
Linux 5.0 qui proposait à l'époque KDE.0. Vous savez la distribution qui avait pris pour nom un personnage de BD américaine de comics, un magicien. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc qui, presque 20 ans plus tard, nous a donné deux sœurs ennemies qui ne peuvent pas se voir en face et qui malheureusement risquent de se manger le nez. Voilà. Si vous n'avez pas un chapeau, un magicien, un comics, voilà, vous voyez de qui je veux parler? De quelle distribution? Mais c'est vrai que cette distribution a une histoire aussi riche qu'une saison des Feux de l'amour, donc autant dire que on n'est pas encore loin de, pas près de voir la fin de l'histoire. Bref, donc le problème des distributions redondantes. Là, je vais prendre DistroWatch. Je sais, c'est le site que les Linuxiens et Linuxiennes aiment à tester. Mais s'il y a une statistique qui ne peut pas être contestée, c'est celle des distributions indexées. DistroWatch existe depuis à peu près une quinzaine d'années. En gros, depuis 2002-2003. Et si on regarde les statistiques de la Gazette, désolé si je parle encore de DistroWatch, si vous avez besoin de sac vomi, mettez en pause, vomissez et revenez. La DistroWatch Weekly. Et si on regarde dans la liste des. Il parle de New Editions, voilà. New Editions, ils ont rajouté Super Grip Disc 2, pourquoi pas. Là, donc je vais. Si vous avez besoin, vous mettez en pause. Voilà. Donc, en gros, depuis que DistroWatch existe, ils en sont à 847 distributions indexées. En gros, DistroWatch existe depuis 2002. On fait un calcul rapide, on est en 2017. Donc, nous avons dit qu'il y a 847 distributions vivantes. On divise en gros par 15 ans. Ça fait 56 distributions indexées par an. Ce qui est pas mal, c'est combien que ça? Et par mois, ça nous en fait 4 en moyenne. Donc en gros, une distribution par semaine depuis 15 ans ont été rajoutées. Mais si on regarde bien, il y en a 500, enfin 499 qui sont mortes. Ouch! Qui ont été abandonnées, soit parce que les équipes ont mis la clé sous la porte, soit parce que. Bref. Donc si on prend la statistique, si on fait 499 par 847. En gros, il ne reste plus que 42% des distributions qui sont soit encore en fonctionnement, soit en mise en pause pour attendre une nouvelle version. Enfin, du moins, toujours celles qui sont vraiment, celles qui sont encore développées, même si elles sont un peu comateuses ou vraiment encore développées activement, il ne reste plus que 42%. Vous imaginez un métier où on vous dit, bon, mais t'as que 42% d'arrivée à la retraite? 42% de chances d'arriver à la retraite? Ça me fait aussi un peu penser à la ruée vers l'or. Tout le monde, à l'époque, tout le monde voulait faire sa distribution Linux, un peu comme la ruée vers l'or des années 1848 en Californie. Et sur 100 personnes qui sont arrivées, il y en a peut-être une ou deux qui ont fait fortune. C'est le même principe. Donc on voit quand même qu'il y a presque encore 200 distributions qui sont sur les attentes, certaines depuis des années. Parce que si on va sur la liste d'attente, certaines attentes depuis 2012, presque 5 ans. Vous pouvez tout, vous autres, je mettais tous les liens dans le descriptif, bien sûr. Les projets qui ne sont pas encore. Certains projets qui sont encore en attente, mais plus depuis 8 ans, parce qu'ils ne sont pas complètement complets. Dyson, c'est une base Debian plus Solaris, enfin Open Solaris. Oui, il y a un peu de tout, quoi. Sans oublier les distributions qui ont des problèmes de traduction, parce qu'elles ne sont pas disponibles en anglais, par exemple, ou des problèmes autres. Et les distributions qui vont peut-être être indexées, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 qui attendent d'être indexées et qui disent, DistroWatch attend juste une nouvelle sortie pour dire, bon, on indexe. Mais certaines distributions, on a des attentes qui ont été rajoutées à des attentes en 2009, ils ont toujours une nouvelle version. Ça fait un peu long. Donc, je parlais des distributions redondantes. C'est simple, on va dans la recherche. Et on va prendre, moi je sais pas, on va dire tout ce qui est Ubuntu plus Plasma. Voilà. On va prendre basé sur Ubuntu. Et on veut Plasma. Voilà, KDE Plasma. On recherche. On en a trois. En gros. C'est pas extraordinaire. Il n'y a pas grand-chose.
Donc on n'a qu'à Debian et qu'à Ubuntu. Mais si on prend Debian plus Ubuntu, enfin Debian, on va mettre juste Debian, on va prendre Debian, mais qui n'est pas basé sur Ubuntu, mais qui propose KDE Plasma. Donc, si on prend Debian, mais en virant Ubuntu et en disant KDE Plasma, entre des distributions qui sont plus ou moins proches, qui ont plus ou moins la même base, on en arrive à combien? 5. Donc, alors, bon, bien sûr, certaines qui sont basées sur Debian C, d'autres sur Debian stable, mais on voit, il y a par moments des projets qui pourraient fusionner, parce qu'ils sont proches, mais le problème, c'est peut-être qu'il y a un égo, peut-être des équipes qui ne peuvent pas se voir en photo. Si on prend, par exemple, basé sur Arch, on va toutes les distributions basées sur Arc. On va en trouver peut-être 5 ou 6. Voilà. Donc on a 12 distributions basées sur Arc. Plus ou moins vivantes. Mais sur le Manjaro. En Tergos, distribution, plus installateur que distribution, mais ça, on n'en parle pas. Apricity qui pourrait faire doublon avec Entergos. Arch Mang Linux, Black Arch Linux, Mustard Linux, Parabola Linux Libre, Chakra. Ah oui, ça me fait penser à un truc, on va prendre. Parce que il y a le doublon parfait sur le plan de la base proposée. Arch plus Plasma. Donc là, on a le booster et le chakra. Mais si aussi, bon, ça fait un peu doublon, mais si vous recherchez, vous pouvez faire X recherches, vous finirez toujours par trouver sur des distributions qui sont relativement proches. On va prendre un exemple. Par exemple, la chakra GNU Linux, c'est anciennement une Arch qui a coupé les ponts avec Arch en 2009-2010, mais qui propose uniquement KDE, les outils Qt. Ça ne vous dit rien? Si je vous dis la KOS. Là, on va prendre KOS et Chakra, on va mettre en la KOS, voilà. Elle utilise des outils. Voilà. Elle était inspirée par Arch Linux, mais les développeurs ont développé leur propre base. Mais c'est des outils basés sur Arch. Ça ne vous dit rien, ça? Inspiré d'Arch, basé sur Arch, enfin, une cousine avec Plasma? Ben, pas plus loin. Il suffit de chercher 30 secondes et on tombe sur là. Chakra GNU Linux. Plasma. Semi-rolling. Rolling, semi-rolling. Donc, c'est des projets qui sont proches. C'est basé sur Arch ou avec des outils d'Arch. C'est basé sur KDE avec des outils Qt. Donc, les deux projets sont très proches. Si une est plus semi-rolling et l'autre plus rolling, ce sont des cousines. Donc, c'est peut-être des projets qui pourraient s'entendre entre eux, mais peut-être aussi qu'il y a des frictions qui empêchent justement la fusion des deux projets. C'est le problème, c'est les projets redondants. C'est les principaux péchés capitaux, c'est les traductions qui sont très mauvaises, voire inexistantes, voire incomplètes. C'est les distributions redondantes, c'est la démultiplication des dépôts tiers, c'est les principaux péchés capitaux qui empêchent les distributions GNU Linux d'avancer un tout petit peu sur le marché du bureau. Oui, on me dira, le bureau, le PC meurt. Mais ça fait 20 ans qu'il meurt, le PC. Il a été tué par les netbooks, il a été tué par les network computers, il a été tué par les tablettes. Et étrangement, il est toujours vivant. Bon, c'est peut-être un zombie, je sais pas. Il va peut-être falloir, comme dans Quake, lui balancer une grenade en pleine tronche pour qu'il clamse le PC. Je sais pas, je peux pas vous dire. Voilà, donc, vous avez vu, c'est, selon moi, c'est une vidéo où je ne suis pas emporté, où j'expliquais, selon moi, quels sont les principaux péchés capitaux du logiciel libre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye!